S'il vous plaît, on va commencer la séance. Je vais vous demander de bien vouloir regagner vos places. Avant que nous étudions ce projet d'avis, j'ai quelques informations à vous faire part, dont je dois vous faire part. J'ai tout d'abord les excuses de Madame Erika Barrès, ministre des Outre-mer, l'actualité qui touche notre pays à travers les événements qui se déroulent en Guyane, requiert bien entendu toute son attention, malgré son vif désir d'être parmi nous pour la présentation de cet avis, dont nous connaissons l'attention qu'elle lui portait. Elle sera représentée par Madame Emma Antropoli, membre de son cabinet. Je tiens aussi à saluer Madame Michèle Meunier, sénatrice de la Loire-Atlantique, vice-présidente de la délégation aux droits des femmes, secrétaire de la commission des affaires sociales du Sénat. Par ailleurs, je tiens à féliciter Madame Inès Bouchot-Choisy, qui vient de prendre la présidence du groupe de l'Outre-mer, succédant ainsi à Christian Vernaudon, qui a désiré quitter cette responsabilité et dont je tiens à saluer particulièrement son action, son engagement et son travail fourni à la tête de ce groupe important, celui de l'Outre-mer. Salut. Bravo à Madame Inès Bousseau-Choisy et à, bien sûr, à Christian Vernaudon pour le travail accompli. Voilà. Si vous souhaitez faire une déclaration, il y a peu de possibilités. Hein. Un petit mot, Monsieur le Président, pour dire que le groupe Outre-mer est très fier de pouvoir porter à sa tête pour la première fois une femme. Voilà. Donc, le projet d'avis aujourd'hui porté par les rapporteurs que sont Madame Dominique Rivière et puis Ernestine Renier, Madame, Monsieur Dominique Rivière et Madame Ernestine Renier, voilà, pour évidemment le groupe de la délégation aux droits des femmes et puis le groupe Outre-mer, la délégation Outre-mer. Donc, je vais vous appeler pour présenter ce projet d'avis, combattre les violences faites aux femmes dans les Outre-mer. Un projet d'avis important. Voilà. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la représentante de la ministre des Outre-mer, mes chers collègues, je ne peux pas commencer mon propos sans saluer à mon tour l'élection de Madame Inès Bouchot-Choisy au groupe de l'Outre-mer dont je suis issu. Voilà qui est fait. Pour la présentation de cet avis consacré à la lutte contre les violences faites aux femmes dans les Outre-mer, et avant de céder la parole à ma co-rapporteure Ernestine René, qui vous dira l'essentiel de son contenu, il me revient de vous dire quelques mots en guise d'introduction. J'aborderai rapidement trois points. L'historique de cet avis, la méthode employée, et enfin un mot sur la situation des Outre-mer en général. Sur l'historique, cet avis, vous le savez, fait suite à une étude de 2014 rapportée par Madame Pascale Vion, aujourd'hui présidente de la délégation Outre-mer, de la délégation aux droits des femmes, mais nous faisons des confusions, c'est normal, puisque nous avons travaillé conjointement. Donc, cette étude de 2014, qui s'intitulait « Combattre les violences faites aux femmes des plus visibles aux plus insidieuses », comportait un focus sur les Outre-mer qui révélait une prévalence variable mais certaine, voire substantielle, des violences faites aux femmes dans nos territoires d'outre-mer. Dès lors, la conviction est vite apparue qu'il était nécessaire de conduire une étude complémentaire spécialement consacrée à la question dans les Outre-mer, et cette conviction, portée par un certain nombre d'acteurs et partagée par le gouvernement, nous a valu la saison gouvernementale de juillet 2016, nous permettant aujourd'hui de vous proposer le présent avis.
sur la méthode, en corollaire du travail conjoint des deux délégations, droit des femmes, égalité et délégation outre-mer, nous avons estimé d'emblée indispensable de co-construire cet avis avec les territoires concernés. Et ce, pour plusieurs raisons importantes. La première, parce qu'il nous fallait éviter, cela va de soi, mais cela va encore mieux en le disant, tout regard surplombant du nord sur le sud. La deuxième, c'est qu'associer les territoires, c'était nous donner la possibilité d'avoir des expériences de terrain et des données qui nous manquaient, y compris sur le plan statistique, et qui nous manquent toujours d'ailleurs, et de donner plus de force à la voix de la société civile que nous voulons exprimer. Enfin, associer les territoires, c'est aussi s'assurer pour la suite un suivi dans la mise en œuvre des préconisations de l'avis par les acteurs et les actrices concernées dans les territoires. C'est en effet l'objectif de cet avis, de devenir un outil entre les mains de ces acteurs de la lutte contre les violences faites aux femmes dans les Outre-mer. C'est ainsi que, grâce à l'appui des administrations de nos délégations, mais aussi de l'implication personnelle des conseillères et conseillers représentant les Outre-mer, que nous avons pu obtenir le concours de nombre d'acteurs et d'actrices représentant les territoires Outre-mer, que ce soit des acteurs publics ou des acteurs associatifs. Grâce, par exemple, à l'intervention d'Octave Togna et de Didier Guénin-Janson, nos collègues ici présents, sauf Octave, qui est souffrant, malheureusement, nous avons obtenu que le CESE de Nouvelle-Calédonie rende en novembre 2016 une étude sur les violences faites aux femmes en Nouvelle-Calédonie, en parallèle à la mission conduite par Ernestine René dans ce territoire. Cette saisine conjointe du local et du national sur un même sujet est sans doute un exemple qui pourra nous inspirer en d'autres occasions. C'est ainsi que, grâce à Christian Vernaudon, nous avons pu obtenir une réelle mobilisation en Polynésie. C'est ainsi encore, pour ne citer que les trois territoires sur lesquels la saisine appelait une attention particulière, que notre collègue Yannick Cambray, ici présent, a pu faire rapport des auditions conduites par lui-même à Saint-Pierre et Miquelon. Sur la situation des Outre-mer en général, dont nous ne cessons de vous parler à chaque plénière, au risque parfois de vous lasser, un mot pour vous dire que la notion d'Outre-mer est évidemment éminemment relative. Relative d'abord parce que, pour nous, vous permettrez aux représentants de la Réunion que je suis de vous le dire, l'Outre-mer, c'est vous, l'Hexagone, où il nous arrive de rencontrer des populations sympathiques et exotiques, et parfois leurs représentantes et leurs représentants confirmés. On est donc toujours l'outre-mer de quelqu'un. Relative aussi, cette notion d'outre-mer, parce que l'outre-mer n'est pas un bloc. Autant d'outre-mer que de territoires, avec des statuts quasiment à la carte aujourd'hui, chacun a sa propre histoire, sa propre identité culturelle, son peuplement, ses traditions, ses langues, son économie, ses réussites parfois exceptionnelles et son taux de chômage, lui aussi, en général, exceptionnel. Des écarts de développement avec l'Hexagone que la récente loi sur l'égalité réelle en Outre-mer a mise en exergue. De ce point de vue, le fameux rayonnement de la France sur trois océans ne peut être une simple donnée géographique, encore moins une opération du Saint-Esprit. Il faut encore y prêter concrètement la main. La situation actuelle en Guyane montre assez. Et la spécificité de ce territoire, seul de son espèce à extension continentale, avec ses problèmes spécifiques, et un certain nombre d'urgences que l'on retrouve ailleurs et qui font craindre, comme on l'a vu par le passé, une possible contagion de la crise. La République, qui nous donne tant d'occasions d'être en avance, gagnerait à être moins souvent en retard dans les Outre-mer. C'est vrai aussi pour ce qui est de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et vous verrez qu'un certain nombre de nos préconisations donnent dans le rattrapage ou dans la priorisation, dans l'affectation des moyens, mais j'anticipe. Aussi bien
énumérer les traits particuliers de nos sociétés d'outre-mer diversifiées et d'ailleurs en pleine évolution, c'est la violence de l'histoire avec la colonisation, l'esclavage, le travail forcé, la difficulté souvent de s'exprimer, l'insularité qui isole et qui confine les victimes et les agresseurs, par exemple, ou qui éloigne le service public, la précarité sociale, tous ces traits sont souvent aussi bien des facteurs aggravants qui expliquent la prévalence des violences faites aux femmes dans nos territoires. Et au premier rang de ces facteurs aggravants, il y a, comme ailleurs, les traits particuliers et la pesanteur des stéréotypes sexistes qui y prévalent sous une forme particulière, ici et là, suivant les traditions. Et cela, malgré les évolutions en cours, et qui marque partout une vraie volonté de changement et de responsabilité. J'anticipe sur le contenu du rapport que va maintenant vous présenter Ernestine Droné, à qui je vais maintenant céder la parole, non sans avoir salué son implication personnelle, remarquable, je dois le dire, car sans elle, je pense que ce rapport n'aurait sans doute pas vu le jour. Je cède donc la parole à Madame Ernestine Droné. Merci, cher Dominique Rivière, pour ces propos. Les violences faites aux femmes existent partout, en tout lieu et dans toutes les classes sociales. Qu'est-ce qui sous-tend ces violences faites aux femmes ? Ce sont d'abord les inégalités réelles, femmes-hommes, qui perdurent dans toutes nos sociétés. La réalité des inégalités est importante et elle pèse sur les mentalités. Ces inégalités sont importantes dans l'Hexagone et sont souvent renforcées dans les Outre-mer, comme l'a déjà indiqué Dominique Rivière. Les violences faites aux femmes sont « légitimées » entre guillemets par l'idéologie sexiste de domination des hommes sur les femmes. Ce qu'on appelle les stéréotypes de sexe assignent des rôles différents et hiérarchisés aux personnes de sexe masculin et féminin. Il existerait une nature féminine, douce, fragile, essentiellement maternelle. Les femmes sont ainsi perçues comme plus dévouées aux autres, naturellement tournées vers le soin, le foyer, les tâches domestiques, parentales. À l'opposé, l'homme, grâce à sa force, sa virilité, est protecteur et pourvoyeur de revenus. Il a l'autorité, entre guillemets, naturelle, de chef de famille ou de chef de clan. L'universalité de ce modèle archaïque dominant des hommes sur les femmes est frappante. Ces modèles traditionnels perdurent partout, y compris donc dans l'Hexagone, mais sont plus ou moins prégnants selon la place des femmes dans les sociétés. L'anthropologue Françoise Héritier appelle, et je la cite, à refuser de s'inscrire dans un stéréotype comme dans un destin. Elle poursuit en écrivant : Nous ne vivons pas la guerre des sexes, les deux sexes sont victimes d'un système de représentation vieux de plusieurs millénaires. Il est donc important que les deux sexes travaillent ensemble à changer ce système, l'oppression et la dévalorisation du féminin n'étant pas nécessairement à long terme un gain pour le masculin et pour toute l'humanité. Disons tout de suite que ce qui est encourageant, c'est que les sociétés ultramarines sont porteuses d'évolution et de mobilisation pour lutter contre les violences faites aux femmes. Nous l'avons constaté dans nos auditions, nous l'avons constaté au cours de la mission du CESE en Nouvelle-Calédonie, qui nous a beaucoup appris et aidé à co-construire cet avis. J'en viens maintenant à une synthèse de l'état des lieux et aux recommandations qui en découlent, que nous vous proposons. Pour commencer, je souhaite attirer votre attention sur quelques constats. Selon l'enquête ANVEF réalisée en 2002 en Polynésie française, les violences physiques sont 8 fois supérieures
à celle de l'Hexagone, et cette fois pour ce qui concerne les violences sexuelles. La même enquête, réalisée en 2003 en Nouvelle-Calédonie, indique un taux de violence physique 9 fois supérieur à l'Hexagone et 7 fois supérieur pour les violences sexuelles. Notons, comme vous le voyez sur la carte, que dans les îles du Pacifique, les femmes déclarent à 2/3 être victimes de violences dans leur famille. À La Réunion, l'enquête cadre de vie et sécurité de l'INSEE, réalisée en 2011, indique que les violences sexuelles sont 2 fois supérieures à celles de l'Hexagone et que les violences dans la famille sont souvent très graves, allant jusqu'au meurtre. Tout en constatant l'insuffisance des données disponibles, l'AVIS s'attache à dresser un tableau aussi complet que possible de la situation des femmes des violences faites aux femmes dans les Outre-mer avant de formuler les préconisations pour mieux les combattre dans l'avenir. Nous avons donc 40 recommandations que nous vous proposons et qui se déclinent en 6 axes à partir de 6 constats. Premier axe et premier constat, il existe, vous l'avez entendu d'ailleurs lorsque je dis les résultats et que vous regardez la carte, une insuffisance de connaissance de l'ampleur des violences faites aux femmes. Il faut donc améliorer nos connaissances. Les données statistiques disponibles actuellement ne permettent pas de dresser un tableau complet des violences faites aux femmes dans chacun des territoires des Outre-mer. Des enquêtes ont été menées à des moments très différents, de 2002 à 2015. Cela rend difficile la comparaison entre les territoires et avec l'Hexagone et ne rend pas compte des évolutions, particulièrement pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, où les enquêtes datent de 2002 et 2003. Il faut donc développer les enquêtes. Il vient de se développer dans l'Hexagone une grande enquête, Virage, violence et rapports de genre, dont les premiers résultats viennent d'être publiés. Cette enquête doit être menée dans tous les territoires d'outre-mer. Elle est déjà prévue en Guadeloupe et à l'île de La Réunion. Je regarde Madame la représentante de la ministre. Et si pour diverses raisons l'enquête Virage ne pouvait être menée dans l'immédiat, l'enquête Migration, Famille et Vieillissement, comportant des questions sur les violences faites aux femmes, devrait permettre une première approche scientifique de l'ampleur des violences. Donc c'est notre première préconisation. L'autre enquête dont j'ai parlé, cadre de vie et sécurité, l'enquête de victimation, menée chaque année dans l'Hexagone, doit être menée à Mayotte avant 2020, où il n'y a pas d'enquête scientifique à proprement parler, et renouvelée à l'île de La Réunion. Et puis nous préconisons également un soutien aux travaux universitaires pour une meilleure connaissance des violences faites aux femmes et de leur impact sur les enfants. Ces travaux sont précieux, comme en témoignent les thèses de médecine remarquables menées à Mayotte, où précisément il n'y a jamais eu de grande enquête. Et puis, mieux connaître la réalité, ça c'est l'ampleur des dégâts, on est aussi à mieux connaître les solutions qui existent dans les territoires et qui sont donc déployées. Et nous proposons donc que l'annuaire national des structures accompagnant les femmes victimes de violences soit déployé en priorité dans les Outre-mer. Cet annuaire national est déjà prévu et il doit être, de notre point de vue, d'abord déployé dans les Outre-mer. Le deuxième axe que nous proposons, c'est améliorer la coopération et la coordination des différents acteurs et actrices. Il est en effet nécessaire d'avoir un diagnostic partagé entre les différents partenaires pour valoriser les solutions qui existent déjà en faveur des femmes victimes de violences et trouver des réponses concrètes sur ce qui manque. Comme le préconise la loi pour l'égalité réelle dans les Outre-mer, adoptée le 14 février 2017, le CESE propose de développer les observatoires territoriaux dans tous les Outre-mer, donc de violences faites aux femmes, les observatoires de violences faites aux femmes. Ces structures partenariales entre les services de l'État, les collectivités territoriales et les associations peuvent permettre une action efficace. Comme le montre l'Observatoire de l'île de La Réunion qui existe déjà et qui est piloté par la déléguée régionale aux droits des femmes, celui-ci a une action reconnue et
se développent actuellement en Guadeloupe et en Nouvelle-Calédonie, des structures similaires. Ces observatoires ont quatre objectifs. Je l'ai dit, établir un diagnostic partagé, enrichir la connaissance, promouvoir l'innovation et évaluer les dispositifs existants. Pour améliorer la coordination, il nous semble également important de pourvoir tous les Outre-mer de délégués régionales et départementales aux droits des femmes. Celles-ci jouent un rôle pivot essentiel entre les services de l'État, les collectivités et les associations. La lutte contre les violences faites aux femmes entre dans le périmètre des actions prioritaires de ces délégués. Actuellement, il n'existe que 7 délégués dans les Outre-mer. Si l'ensemble des territoires n'est pas couvert, les postes ne sont pas toujours pourvus ni dans la continuité ni en équivalent temps plein et sont dotés de faibles moyens au regard des besoins. Les budgets alloués peuvent sembler honorables, mais ils ne sont pas à la hauteur des besoins dans ces territoires. Le troisième axe que nous proposons, et vous voyez que c'est quelque chose de cohérent par rapport à ce qui peut se passer pour une dame victime, c'est conforter la formation des professionnels. Pour mieux prendre en charge les femmes victimes de violences, il est nécessaire d'avoir des professionnels mieux formés et particulièrement sensibilisés aux manifestations des troubles psychotraumatiques liés aux violences subies. Cette formation permet de mieux comprendre et de mieux accompagner les victimes. La formation professionnelle aux violences faites aux femmes existe bien sûr dans les Outre-mer. Il s'agit de la renforcer pour un meilleur accompagnement. L'AVI vise prioritairement trois types de professionnels qui sont centraux dans la révélation des violences et dans la prise en compte de ces violences, puis dans l'accompagnement. D'abord, renforcer la formation des forces de sécurité. Ensuite, renforcer la formation à l'attention des magistrats. À cet égard, nous proposons la création d'un poste de coordinateur de la formation continue des magistrats, particulièrement destiné aux Outre-mer. Et enfin, former les professionnels de santé. C'est incontournable, parce que lorsque les femmes sont victimes de violences, c'est d'abord aux professionnels de santé qu'elles s'adressent. L'axe 4, c'est promouvoir la prévention et la sensibilisation. D'abord, nous ciblons la jeunesse. Malgré des progrès significatifs, les grossesses demeurent plus précoces et plus nombreuses qu'en métropole. Il existe partout en France et plus encore dans les Outre-mer des inégalités dans l'accès à la contraception, ce qui pose plus généralement la question de l'accès de toutes et tous aux services publics. Un regard sur le parcours de vie de ces très jeunes mères confirme la précarité de leur situation. Trajectoire scolaire plus courte, échec scolaire plus fréquent, maîtrise de la contraception déficiente et souvent violence sexuelle. Compte tenu du nombre important de grossesses précoces non désirées, le CESE préconise de renforcer et de doter de moyens suffisants les antennes du mouvement français pour le planning familial partout dans les Outre-mer. Il est aussi nécessaire de créer un centre de planification et d'éducation familiale à Mayotte où cela n'existe pas. Deuxième angle d'amélioration, mener des actions contre les stéréotypes sexistes dans les écoles et les universités. Un exemple de stéréotype sexiste qui existe partout, mais qui se trouve renforcé dans les Outre-mer. Il est attendu discrétion, réserve et fidélité des femmes en fonction des normes de respectabilité. La menace de la violence sexuelle justifie le contrôle qui s'exerce à leur encontre. Elles sont soumises à une double injonction paradoxale. Apprendre à plaire, mais ne pas céder aux avances sous peine de perdre leur honneur et de discréditer leur famille. Les garçons, eux, bénéficient d'une plus grande liberté, mais sont confrontés à des injonctions de virilité liées à leur soi-disant pulsion sexuelle irrépressible.
des actions innovantes de sensibilisation des jeunes contre les stéréotypes sexistes et les violences faites aux femmes ont été mises en place et soutenues par le Fonds d'expérimentation pour la jeunesse. Le CESE recommande que lorsqu'elles sont évaluées positivement, de les inscrire dans la durée afin de permettre une action efficace et pérenne. D'une manière générale, il faut mieux organiser, financer, évaluer l'éducation à la sexualité, comme le propose le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, mais aussi comme le propose le CESE de Nouvelle-Calédonie. Ensuite, j'ai parlé des jeunes, donc maintenant il nous faut sensibiliser l'ensemble des populations ultramarines aux comportements sexistes et violents. Il est important de développer des campagnes de sensibilisation. Clips, vidéos, affiches, spots, télé. Alors, vous le voyez qui défile, les territoires des Outre-mer ont déjà initié des campagnes d'affiches en Guadeloupe, Martinique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Île de la Réunion. À l'île de la Réunion, où les États généraux contre les violences faites aux femmes se sont tenus, on a vu la participation de 1000 personnes. C'est dire la mobilisation et la signature de nombreux protocoles. Mon co-rapporteur Dominique Rivière faisait remarquer ce matin que malheureusement, cette mobilisation était aussi due au nombre de femmes tuées, important, en 2016. Ces campagnes ont un effet positif immédiat. Lorsqu'elles se développent, les femmes révèlent davantage les violences subies. Il y a donc une augmentation des appels téléphoniques vers les associations et les femmes sollicitent davantage les associations et les services. Nous le constatons toujours. Le CESE recommande également la création de supports dans les langues parlées dans les Outre-mer. Et de ce point de vue, nous saluons l'initiative des telenovelas qui va se mettre en place à Mayotte. J'en viens à l'axe 5, le parcours de sortie des femmes victimes de violences. Il s'agit de le consolider. À partir des constats que nous avons pu établir, nous avons 7 séries de recommandations. C'est sans aucun doute sur le parcours de sortie que la nécessité d'un rattrapage en termes de moyens pour les Outre-mer est la plus pertinente. D'abord, il s'agit de mieux repérer et orienter les femmes victimes de violences. Il faut donc pour cela créer de nouveaux lieux d'écoute et d'orientation, parce que lorsqu'on est victime, on a besoin de révéler à quelqu'un ce que l'on subit et aussi d'être conforté et conseillé. Deuxième préconisation dans ce premier point, c'est mettre en place dans les commissariats et les gendarmeries des intervenants sociaux qui jouent un rôle utile pour un accueil et une orientation adaptée à l'interface de l'action policière, sociale et judiciaire. Deuxième série de mesures que nous proposons concerne les préconisations relatives à la santé. Nous proposons de mettre en place partout des référents violences faites aux femmes dans les services d'urgence. C'est une disposition très récente qui se met en place dans l'Hexagone et qu'il faut veiller à bien développer dans les Outre-mer. Autre proposition, mettre en œuvre rapidement la gratuité des soins en psychotrauma avec des psychologues et des psychiatres formés. Nous savons que lorsqu'une femme est exposée à une violence à laquelle elle ne peut échapper, elle subit un stress extrême qui peut avoir des conséquences psychologiques et psychodramatiques graves sur elle-même et sur ses enfants. Il existe déjà de telles consultations à l'île de la Réunion. Elles vont se mettre en place en Nouvelle-Calédonie et nous espérons que cela va grandir. Troisième série de mesures, toujours dans ce parcours de sortie, il faut réaffirmer la politique pénale. Le premier élément
je viens de parler des femmes qui ont été tuées à l'île de la Réunion, c'est de développer rapidement les téléphones portables grave danger, déjà déployés sur tout l'Hexagone en 2016. Ces téléphones ont déjà sauvé des vies. Ils rassurent les femmes gravement menacées par leur compagnon ou leur ex. Le CESE recommande que les moyens consacrés à la justice, recommande que ces téléphones soient déployés, partout dans les Outre-mer. Je vais plus vite que la musique. Le CESE recommande par ailleurs que les moyens consacrés à la justice soient renforcés significativement. Il considère que les postes vacants dans les Outre-mer doivent être pourvus pour mieux assurer une égalité d'accès des citoyens-citoyennes au service public de la justice et éviter la correctionnalisation des viols par opportunité. Je ne sais pas si vous entendez. Il préconise aussi le déploiement d'antennes des bureaux d'aide aux victimes dans les tribunaux de grande instance. Pouvoir s'exprimer dans sa langue est aussi important pour bien se faire comprendre et bien comprendre la procédure. C'est pourquoi nous proposons d'avoir dans les tribunaux des traducteurs professionnels. Concernant la Nouvelle-Calédonie, nous proposons de reprendre les recommandations du CESE local visant à améliorer et accélérer la procédure judiciaire pour les femmes victimes de violences conjugales. Quatrième série de mesures, prendre des mesures pour accroître les solutions de mise à l'abri. Les femmes victimes de violences, nous le savons tous ici, doivent pouvoir accéder rapidement à un lieu de mise en sécurité compte tenu du danger qu'elles encourent en restant à proximité de l'agresseur, notamment au regard du contexte insulaire dont on a déjà parlé. Compte tenu du faible taux d'équipement, le CESE préconise d'accroître significativement dans les Outre-mer l'offre d'hébergement et de mettre en œuvre des partenariats entre l'État, les bailleurs sociaux, les collectivités locales et les associations spécialisées dans les Outre-mer, afin de fluidifier l'hébergement d'urgence et de favoriser le relogement pérenne des femmes victimes de violences et de leurs enfants. Pour sortir des violences, il faut avoir un logement. Il conviendra également de veiller à l'accessibilité de ces lieux pour les femmes en situation de handicap. Cinquième série de mesures, toujours dans ce parcours de sortie, l'accès des femmes à l'emploi et à la formation pour une autonomie financière. Il est nécessaire d'adapter les formations aux femmes victimes de violences. La fonction publique doit être exemplaire dans ce domaine. Il s'agit de former les agents et les managers aux violences faites aux femmes. Il conviendra aussi de veiller à ce que les entreprises jouent leur rôle dans ce domaine. Sixième série de mesures, responsabiliser les agresseurs dès les premières victimes. On ne peut pas sortir des violences si on a toujours l'agresseur sur le dos. Donc il y a d'un côté tout ce qui est répressif et de l'autre côté tout ce qui est responsabilisation. Et j'ai parlé des premières violences. C'est là où c'est très important. Une évaluation et un bilan des dispositifs existants sera menée afin d'améliorer la prise en charge des agresseurs. Et dernière série, mieux prendre en charge certaines populations de femmes fragilisées, notamment par le repérage des violences qu'elles subissent. Il s'agit des femmes en situation de handicap, il s'agit des femmes migrantes, des femmes sans domicile fixe et des femmes prostituées. Le sixième axe et le dernier, c'est tout ce qui concerne les moyens. La mise en œuvre de toutes ces actions nécessite des moyens. Et jusqu'à ce jour, un chiffrage est impossible à faire sur les moyens réellement attribués pour les actions dans les Outre-mer. Conformément au rapport qu'il a coproduit intitulé « Où est l'argent pour les droits des femmes ?», une sonnette d'alarme,
le CESE préconise que le budget alloué au ministère en charge des droits des femmes ne soit plus le plus petit budget de l'État et soit augmenté de manière significative. Au regard des coûts des violences dans le couple, 3,6 milliards d'euros annuels à minima, augmenter de manière volontariste les faibles crédits de ce ministère permettrait de déployer davantage d'actions de lutte contre les violences faites aux femmes dans les territoires ultramarins. Cette démarche conduirait à diminuer à terme, bien sûr, les dépenses consacrées à la prise en charge des victimes. Il est également indispensable que le ministère des Outre-mer flèche une partie de ses moyens sur ce sujet et que le document de politique transversale relatif aux Outre-mer y consacre une présentation. En conclusion, comme vous l'avez entendu, et comme vous pourrez le lire dans l'avis, nos 40 préconisations sont précises et concrètes. Elles peuvent ainsi facilement faire l'objet d'une mise en œuvre rapide, d'un suivi et d'une évaluation. Nous allons bien sûr faire connaître cet avis, s'il est adopté, à l'ensemble des ministères concernés, des collectivités territoriales concernées et des associations qui œuvrent quotidiennement dans les Outre-mer. Afin de faire connaître cet ensemble cohérent de ce que pourrait être une véritable politique publique efficace contre les violences faites aux femmes dans les Outre-mer. Nous voulons souligner que nos préconisations s'inscrivent pleinement dans le 5e plan interministériel de mobilisation de lutte contre les violences faites aux femmes et publié en novembre 2016. Nous ne sommes donc pas dans l'incantation. Il est d'ailleurs à noter que ce 5e plan cite déjà le présent avis au titre de l'amélioration nécessaire des connaissances sur le sujet dans les Outre-mer et des moyens de lutte. Il nous paraît également important de soutenir davantage les associations impliquées dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Pour conclure, permettez-moi une citation. Louise Michel, cette militante révolutionnaire française, qui prit une part active à la Commune de Paris et fut pour cela déportée en Nouvelle-Calédonie, disait « Si l'égalité entre les deux sexes était reconnue, ce serait une fameuse brèche dans la bêtise humaine. C'est à ouvrir de plus en plus grand cette brèche que souhaite contribuer notre avis. Nous vous proposons maintenant de visionner un clip montrant la mobilisation en Polynésie. Elles sont nos mères, nos sœurs, nos filles, nos femmes. L'origine du monde, oui, celle qui donne la vie. Et ça devrait déjà suffire pour ne leur donner que de l'amour. Et non pas toute cette violence, toute cette souffrance et toutes ces peines qu'elles encaissent chaque jour. Émancipées, chefs d'entreprise ou mères au foyer. Elles restent fragiles, ont besoin qu'on les aime et qu'on les protège. Souviens-toi, les premiers jours, tu l'appelais chérie. Comprends-la, respecte-la. Là et dis-lui je t'aime. Tu sais, on voudrait juste être aimé. Mais pas avec des coups ni toute cette jalousie, non. On voudrait être aimé, ovariné. Disons à la violence qu'on soit toutes respectées. Teyene, Watama, Oya et tout. Je remercie les rapporteurs, donc Monsieur Dominique Rivière et la co-rapporteure Madame Ernestine René pour cette présentation très détaillée. Je vais appeler maintenant les différents groupes à intervenir et je vais commencer par la CFE-CGC, Madame Véronique Bianex-Roche. Merci.
chers co-rapporteurs, chers collègues, la CFE-CGC partage l'idée qu'il ne s'agit pas là de stigmatiser les territoires, ce phénomène inacceptable et d'ampleur mondiale. Ce phénomène commence très tôt, dès le plus jeune âge. Les violences sont interdites et punies par la loi. La justice doit être la même pour tous et toutes. Tous les acteurs doivent prendre conscience que la violence à l'égard des femmes a un coût social, sanitaire et économique élevé pour les individus et pour la société. Outre l'évolution des mentalités qui demeure nécessaire, les collectivités territoriales disposent de compétences qui doivent être renforcées pour leur permettre d'être les acteurs et actrices dans cette lutte contre les violences faites aux femmes. Mais il n'en demeure pas moins que c'est à l'État de mettre tous les moyens humains et financiers nécessaires. Il ressort également de nos travaux que les enfants sont les premières victimes dans ces violences faites aux femmes. Les parties prenantes et le pouvoir politique doivent se saisir du sujet sans plus attendre. Le groupe CFE-CGC estime également qu'une attention particulière doit se mettre en place en entreprise pour une meilleure prise en compte des violences faites aux femmes sur le lieu de travail. Il est nécessaire pour cela de mobiliser les organisations syndicales, les employeurs et les services de santé au travail. Les lieux de travail doivent être un lieu de protection, de prévention et d'aide aux victimes. Il souligne que l'absence de données statistiques régulières sur les violences ne permettra pas de suivre l'évolution de la situation et incite les pouvoirs publics à faire connaître, mais surtout à appliquer les lois en vigueur tout en renforçant les moyens éducatifs, la formation, qui permettraient d'éliminer les causes de violence et de remédier à ses conséquences. Le groupe CFE-CGC soutient l'ensemble des préconisations de l'avis, parce que c'est un avis qui constitue un ensemble de propositions concrètes, parce que les violences doivent cesser, parce que c'est l'affaire de chaque citoyen, le groupe CFE-CGC votera le rapport. Merci. Madame Michèle Lechet pour le groupe de la CGT. Merci. Monsieur le Président, chère Ernestine, chère Dominique et chers collègues, les violences faites aux femmes s'inscrivent dans un continuum de relations inégalitaires entre les filles et les garçons, nés d'un rapport de domination sociale du masculin, mais aussi des stéréotypes de genre. En France, une femme meurt tous les 2,7 jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. Toutes les 7 minutes, une femme est violée. Au travail, comme dans la vie, ces chiffres marquent l'ampleur de ce grave phénomène social devant lequel le statu quo n'est plus possible. Le projet d'avis s'attache à sortir de l'invisibilité les situations de violence en éclairant sur les principaux traits de diversité des diversités historiques, culturelles et institutionnelles des 11 territoires ultramarins. Les violences, qu'elles soient sexuelles, économiques, physiques, psychologiques, verbales ou administratives, ont des conséquences sur la santé des victimes, les enfants et l'emploi. Le projet, sans stigmatiser les Outre-mer, met en exergue les facteurs d'aggravation des violences tels que la précarité économique et sociale, un taux de chômage élevé, l'insularité, les addictions et une tolérance sociale à la violence supérieure à l'Hexagone. On y observe des grossesses plus précoces et plus nombreuses, ce qui pose la question de l'accès à la contraception. En Nouvelle-Calédonie, les mariages arrangés n'ont pas totalement disparu. À Mayotte, le célibat d'une femme n'est pas toléré. Les pratiques de la polygamie et de la répudiation traditionnelle restent prégnantes. Mais au-delà du constat, la philosophie du projet d'avis propose de reconnaître le statut de victime à ces femmes. Ainsi, elles auront la capacité de se reconstruire comme actrices de leur vie. La violence n'est pas une fatalité. Construire une société non violente et non sexiste est possible et indispensable. Les préconisations réalistes et ambitieuses proposent d'agir par la prévention auprès des jeunes ultramarins en déployant une éducation à la sexualité et à l'égalité. Investir dans la formation des professionnels est également nécessaire. La CGT met l'accent sur la nécessité de faire de tous les lieux de travail des lieux de prévention, de protection et de transformation des situations, notamment avec la mobilisation des fonctions publiques qui doit être exemplaire. Enfin, la dimension d'une politique publique ambitieuse dotée de moyens à la hauteur des besoins est rappelée.
On estime le coût des violences faites aux femmes au sein du couple à 3,6 milliards par an. L'égalité femmes-hommes ne sera pas possible et la société ne sera pas égalitaire tant que les violences faites aux femmes perdureront. Pour la CGT, organiser l'égalité ne peut se réaliser que dans un double mouvement de transformation des rapports sociaux de sexe et des rapports sociaux de classe. Le projet d'avis et ses préconisations constituent un pas de plus vers l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci aux administratrices et aux administrateurs, aux rapporteurs, et un clin d'œil particulier à Ernestine pour son expertise et son écoute. La CGT votera ce projet d'avis. Merci. Merci. Pour le groupe CGT-FO, Monsieur Jacques Teicher. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, à la Conférence mondiale des femmes de Pékin en 1995, l'ONU a conclu que la violence à l'égard des femmes traduit des rapports de force historiques qui ont abouti à la domination des hommes sur les femmes et à la discrimination. Cette domination, parfois invisible, souvent insidieuse et sournoise, transcende malheureusement les espaces et les cultures. Elle enferme des millions de femmes à travers le monde dans le rôle infériorisant qu'elles doivent subir, y compris dans leur chair, car dans un tel système, le corps de la femme et sa possession est un enjeu de pouvoir et de domination. Les violences physiques et morales sont un moyen multiforme de contrôle et de perpétuation du pouvoir masculin qui s'exprime indépendamment du contexte social, culturel ou religieux. Elles constituent une entrave à la pleine liberté des femmes et une atteinte à la dignité humaine. Elles ont un impact sur l'ensemble de la société et plus particulièrement sur les enfants. Pour le groupe Force ouvrière, la lutte contre les violences faites aux femmes s'inscrit pleinement dans le combat pour l'égalité entre les sexes. Il apparaît donc essentiel de combattre toutes les violences sexuelles et sexistes, qu'elles soient physiques, psychologiques ou symboliques. Dans les Outre-mer, comme partout ailleurs, la tolérance sociale n'est pas acceptable. Pour que les Outre-mer s'inscrivent dans le mouvement de l'égalité des sexes, en droit et en fait, la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures est nécessaire. Les préconisations du projet d'avis, tant par leur pragmatisme que par leur volontarisme, répondent à cet objectif. Certaines nécessitent des moyens financiers, d'autres relève d'une réelle volonté politique d'asseoir la primauté des lois de la République sur le droit coutumier et de les faire respecter. Combattre les violences, c'est aussi se battre pour une véritable égalité territoriale et permettre à tous les ultramarins, garçons et filles, d'avoir un accès de qualité à l'éducation, à la santé, au logement, au travail. Si les enquêtes citées dans ce projet d'avis montrent qu'un haut niveau d'instruction est le meilleur remède contre le sexisme et ses violences, l'illettrisme et l'échec scolaire restent toujours un problème majeur dans les Outre-mer. Des moyens conséquents doivent être alloués à ces territoires pour que le droit à l'éducation devienne un droit effectif et accessible à tous. De même, les violences faites aux femmes ne peuvent être efficacement combattues que si elles sont connues et reconnues. Le groupe FO adhère aux préconisations visant à l'amélioration de la connaissance des violences subies par les femmes dans les Outre-mer. Cette reconnaissance impérative et permanente doit être mobilisée pour alimenter les différents dispositifs de lutte et de sensibilisation contre les violences sexistes. Pour le groupe Force ouvrière, la lutte contre les violences doit s'inscrire dans une approche transverse et globale. Cela nécessite de recenser, d'identifier, de prévenir et de sanctionner lourdement les violences faites aux femmes, d'adapter les outils juridiques et de renforcer les dispositifs de protection, de suivi et d'accompagnement. Enfin, de soutenir financièrement et juridiquement les victimes et l'action des professionnels et des associations qui leur viennent en aide.
Le groupe Force ouvrière votera ce projet d'avis qui appelle à une prise en charge globale de la problématique des violences sexistes dans les Outre-mer. Et pour finir, merci au co-rapporteur d'avoir eu cette belle présentation. Merci. Pour le groupe de la coopération, Madame Isabelle Roudil. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame et Monsieur les rapporteurs, chers et chers collègues, un important travail d'inventaire et de mise en perspective des violences faites aux femmes avait déjà été conduit par notre Assemblée en 2014. Et dans cette étude, les territoires ultramarins faisaient déjà l'objet d'un focus et qui a conforté la nécessité d'approfondir cette analyse. Cet objectif a donc pu être atteint grâce au travail remarquable qui vient de nous être présenté. Et c'est un travail conjoint entre les deux délégations, la délégation Outre-mer et la délégation de droit aux femmes. Les violences faites aux femmes sont un phénomène universel, d'où cette introduction. Dans les Outre-mer, elles s'inscrivent dans un contexte social, économique, culturel et géographique spécifique. Nous l'avons bien vu tout à l'heure. Elles revêtent des formes multiples et touchent toutes les femmes, quel que soit leur âge, leur statut social, et se manifestent aussi bien dans la vie privée, le couple et la famille, que dans la vie publique, l'école, la rue, le travail, les transports en commun. Et donc, bien appréhender la situation des femmes en Outre-mer reste difficile, notamment parce que les enquêtes nationales n'y sont pas systématiquement étendues, comme c'est le cas, par exemple, de l'enquête dite « Virage » sur les violences et les rapports sur le genre. Cet avis appelle donc à améliorer la connaissance de ces actes de violence, notamment par la création d'observatoires territoriaux. Et comme l'a très bien dit pendant le travail Ernestine, l'objectivation des données permet de mieux penser le sujet. Et je trouve ça formidable. Je trouve que c'est une phrase exceptionnelle. Merci Ernestine de m'avoir appris ça. Au-delà des enquêtes statistiques, il est ainsi nécessaire, comme vous le proposez, de soutenir les travaux universitaires visant à l'amélioration de la connaissance des violences ainsi que de leur impact sur les enfants. Un deuxième axe qui nous semble important des préconisations, c'est la formation. La formation professionnelle doit permettre d'améliorer le repérage des actes des violences, toujours pour mieux connaître et mieux agir. La prise en charge des victimes et leur accompagnement. Il s'agit bien de créer une culture commune aux professionnels, que ce soit les personnels médicaux et paramédicaux, les services de police, très importants, et de la gendarmerie ou les magistrats. Cette culture commune passe aussi par la formation initiale, concernant notamment l'éducation à l'égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre les stéréotypes sexistes ou encore l'éducation sexuelle. La qualité du projet d'avis relève aussi de la démarche de co-construction engagée avec de nombreux acteurs publics et associatifs des Outre-mer. Ça, c'est un point qui nous semble aussi très important. Il relève ainsi de nombreuses actions entreprises dans ces territoires pour combattre les violences faites aux femmes, comme on l'a vu dans le clip qui a terminé votre présentation. Il propose un cadre pertinent pour renforcer des partenariats avec les acteurs locaux, partenariats indispensables pour avancer ensemble, et contribuer ainsi à la dignité des femmes dans les Outre-mer. Alors le groupe de la coopération, vous l'avez compris, soutient bien entendu l'ensemble des préconisations, bien entendu, j'en ai pas parlé, celles visant la protection des femmes et les moyens financiers nécessaires, hein, tiens à le dire. On vous remercie, Dominique et Ernestine, pour votre travail et bien sûr, on votera en faveur de la vie. Merci. Madame Eva Escandon pour le groupe des entreprises. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame et Monsieur le Rapporteur, Mesdames et Messieurs les conseillers, en préambule, je souhaitais préciser que je m'exprime à la place de Joël Prévost-Madère, bloqué en Guyane, et initialement prévu pour intervenir au titre de notre groupe. Le sujet que nous avons à traiter aujourd'hui n'est pas éloigné des préoccupations de nos entreprises, même s'il est essentiellement traité sous l'angle des violences au sein des familles et des couples. Nos entreprises ne peuvent ignorer ce sujet car il se traduit inévitablement par des conséquences sur le bien-être au travail et sur l'emploi. D'autre part, si tous les milieux sociaux et culturels peuvent être touchés par ces violences,
Les études démontrent que dans les Outre-mer, contrairement à la métropole, les femmes dotées d'un niveau d'éducation élevé et exerçant une profession valorisante socialement semblent plus épargnées. Le milieu professionnel, tout comme le milieu éducatif, sont des lieux de sensibilisation et donc des leviers de changement de ces comportements. De ce fait, notre groupe estime qu'il est du devoir de tous d'agir et que l'entreprise a toute sa place dans la chaîne des relais et des structures capables de détecter ces violences et de contribuer à les endiguer. Nous soutenons l'ensemble des préconisations de l'avis. Comme le proposent les rapporteurs, il est en effet indispensable de mieux appréhender le sujet et d'améliorer les statistiques afin de pouvoir le traiter. Il y a donc ici un premier axe d'action qui permettra de mieux connaître ces violences, leurs origines et donc de mettre en place des actions permettant de mieux les juguler. Il est également nécessaire d'adapter les structures et d'organiser les acteurs les mieux à même de détecter ces violences, de protéger et d'accompagner les femmes victimes. Les entreprises peuvent intégrer cette chaîne. Les services de santé au travail, notamment, peuvent aider les dirigeants à détecter les personnes en souffrance et à les orienter vers les bons interlocuteurs, à même de les aider sans que l'entreprise n'ait à interférer dans la vie privée de ses salariés, ce qui pourrait lui être reproché. De plus, l'avis met bien en exergue les difficultés à prendre en charge ces situations dans les territoires ultramarins, car la diversité des lieux et des cultures ne facilite pas leur traitement. Il y répond par des solutions adaptées. Enfin, nous pensons, comme l'indiquent les rapporteurs, qu'il n'y a pas de fatalité aux violences faites aux femmes dans les Outre-mer. De nombreuses pistes d'amélioration sont mises en avant dans le texte qui nous est présenté aujourd'hui. Leur mise en œuvre pourrait intervenir à bon escient via le 5e plan interministériel de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux personnes. Il conviendra donc d'œuvrer pour que nos préconisations y figurent. Le groupe des entreprises votera le projet d'avis. Merci. Monsieur Alain Bougrain-Dubourg pour le groupe Environnement et Nature. Jean, je te remercie de partir au moment où je prends la parole, franchement. Chers amis, Monsieur le Président, Madame la Présidente, chers collègues, on vient de le voir, les violences faites aux femmes ne sont malheureusement pas un phénomène nouveau, mais la situation reste toujours aussi grave et les constats sont alarmants. Selon les chiffres cités dans ce projet d'avis, il est confirmé que les violences faites aux femmes sont plus nombreuses dans les Outre-mer, ce qui était déjà souligné dans l'étude réalisée par la délégation aux droits des femmes et à l'égalité aux 16 rapportée par Pascal Vion en novembre 2014. Cette question fait également l'objet, on l'a dit, d'un plan interministériel de mobilisation qui en est à sa 5e édition. Nous soutenons avec vigueur les préconisations du présent projet d'avis, notamment sur la nécessité d'améliorer la connaissance des violences faites aux femmes dans les Outre-mer et de leur impact sur les enfants. À ce titre, l'exemple de Mayotte est particulièrement inquiétant avec la polygamie et des faits de violence qui concernent toutes les ethnies. Notons enfin ces trop nombreux cas de femmes et de jeunes enfants migrants qui ont encore moins accès que les autres aux services d'aide. Nous soutenons également tout particulièrement le déploiement prioritaire des actions de formation, c'est ce que vous avez dit Ernest, initiale et continue prévue du reste dans le cinquième plan dans ces territoires. Le renforcement des actions de prévention et de sensibilisation et bien sûr d'éducation, la mise en place dans les services d'urgence de toutes les collectivités du dispositif de référence femmes victimes de violences, ainsi que l'augmentation des moyens du service public de la justice et des aides à la reconstruction psychologique des femmes victimes des violences physiques et sexuelles dans les Outre-mer. Les pollutions environnementales sont une autre forme d'inégalité et de violence dans certains territoires d'Outre-mer déjà repérés dans la vie de Pierrette Cross-Marie au 16. Je pense au chlordécone en Martinique ou en Guadeloupe,
ainsi qu'au mercure en Guyane, provoquant des malformations congénitales et touchant singulièrement les femmes. Un avis de suite sur ces graves problèmes sanitaires liés aux pollutions mériterait un travail conjoint des sections des affaires sociales et santé et de l'environnement. À propos d'environnement, je voudrais souligner combien les femmes sont souvent en première ligne pour l'amélioration des questions environnementales. La lutte contre ces violences doit donc aller de pair avec la déconstruction des stéréotypes de domination masculine, je l'avoue, partout, dès le plus jeune âge. Notre groupe votera évidemment, de même que l'ombre du zèbre n'a pas de rayure, cet avis. Pour le zèbre, je vous propose d'y réfléchir plus tard, vous verrez, ça a un sens. Merci. Monsieur Stéphane Junic, pour le groupe de la Mutualité. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les co-rapporteurs, chère Ernestine, chère Dominique, Madame la Sénatrice, Mesdames et Messieurs, chers collègues, parler des violences faites aux femmes reste encore un tabou et un sujet tabou dans notre pays. Et c'est pourquoi le groupe de la Mutualité se félicite de la décision du gouvernement de prolonger la précédente étude sur les violences faites aux femmes qui avait pointé leur importance dans les Outre-mer. Elle témoigne, au-delà de l'importance donnée à ce sujet, de la qualité des travaux antérieurs de notre Assemblée. L'objectif premier de cet avis est la réalisation d'un état des lieux le plus complet possible, tenant compte de la diversité des Outre-mer et de leur situation. Et si les chiffres sont supérieurs, Alain l'a souligné, à ceux constatés dans l'Hexagone, les moyens mis à la disposition des territoires sont, eux, et c'est un paradoxe, bien inférieurs. C'est pourquoi nous soutenons la priorisation des moyens vers les Outre-mer, et en particulier pour renforcer et développer le fonctionnement des structures de prévention et de prise en charge des victimes comme des agresseurs. Face à la sous-estimation des situations de violences faites aux femmes, dans les meilleurs des cas, à leur déni, le plus souvent, et ce dans tous les pays, cet avis s'est attaché à éviter les jugements et à privilégier une approche résolument pragmatique. Toutes ces recommandations constituent au fond une boîte à outils opérationnelle, facilement appropriable et évaluable par les pouvoirs publics et l'ensemble des acteurs et actrices de terrain. Le cadre proposé structure une politique cohérente pour une mise en œuvre efficace. Et la connaissance statistique des violences faites aux femmes et des structures qui contribuent à lutter contre ce fléau permet l'élaboration de solutions adaptées aux besoins. La prévention des stéréotypes sexistes est le socle incontournable d'un décryptage des mécanismes en jeu et des leviers d'action. Si l'ensemble de la population doit être sensibilisée, les jeunes sont pour nous une priorité à privilégier. Le groupe de la Mutualité soutient l'ensemble des préconisations de l'avis, que nous voterons bien entendu, et souhaite insister sur l'importance de la qualité de la prise en charge judiciaire, médicale et psychologique des victimes. Elles sont trop souvent abandonnées, livrées à elles-mêmes, en souffrance. Et sans une prise en charge bienveillante, professionnelle et adaptée, elles sont prisonnières de cette situation, subissant de graves conséquences sur leur équilibre et leur santé. C'est pourquoi la préconisation concernant la prise en charge financière du suivi psychologique est pour nous une mesure fondamentale pour la reconstruction de la victime. Au-delà de ce suivi, et conformément au 4e et 5e plan interministériel, la formation de l'ensemble des professionnels doit être confortée, et je souligne que beaucoup d'acteurs du non lucratif, de l'économie sociale et solidaire, sont positionnés comme étant des acteurs professionnels qui accompagnent aujourd'hui ces femmes. La lutte contre les violences faites aux femmes en Outre-mer demande un partenariat dynamique entre les pouvoirs publics, les autorités coutumières, les structures de prise en charge, parce que, outre les incontournables aspects financiers, c'est par une coordination de l'ensemble des actrices et acteurs que des résultats pourront être obtenus. L'absence de prise en charge rend les femmes doublement victimes. Des violences d'abord, de l'indifférence ensuite. Et considérer les violences comme une fatalité, elles-mêmes fruit de prétendues spécificités culturelles, est un renoncement pour nous inacceptable. C'est pourquoi les violences faites aux femmes, urgence de santé publique, reconnues comme telles par l'Organisation mondiale de la santé, sont une problématique sociétale pour lesquelles cet avis apporte des solutions adaptées aux Outre-mer. C'est pourquoi nous voterons cet avis. Je vous remercie. Merci. Madame Laure Delaire, pour le groupe Organisation étudiante et Mouvement de jeunesse. Alors, c'est un binôme, alors. Ouais, c'est ça. Hein. Madame Laure Delaire et Monsieur Antoine Dulin. Voilà. Monsieur le Président, chères conseillères, chers conseillers, chers collègues, merci et bravo pour ce rapport et cet avis, car il englobe toutes les causes problématiques et enjeux liés aux violences faites aux femmes. Bravo et merci, car ces travaux ont réussi à montrer la diversité des territoires d'outre-mer sans rentrer dans la caricature. Bravo et merci pour ce travail, car il complète et éclaire avec pertinence les travaux engagés par le Conseil en 2014, mais aussi ceux des autres institutions qui travaillent sur ce sujet.
Le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse partageons l'ensemble des constats et préconisations de cet avis et nous le voterons. Ernestine René, vous l'avez si bien rappelé, les violences faites aux femmes existent de tout temps, en tout lieu, à tous les âges de la vie et concernent toutes les sociétés et les classes sociales. Il y a encore quelques années, certains pouvaient se cacher derrière le manque de statistiques. Plus maintenant. Même s'ils sont encore insuffisants, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Non, ce n'est pas une accumulation de cas particuliers et isolés, d'hommes violents, alcooliques ou maladroits dans leurs interactions avec les femmes. Non, ce n'est pas réservé à une époque passée de notre histoire. Et non, cela ne concerne pas que les autres. En tant qu'organisation étudiante et mouvement de jeunesse, nous sommes conscients que cette problématique nous touche aussi et que nous avons une responsabilité particulière. Ce phénomène est un phénomène actuel. C'est un phénomène global de notre société, de toutes les sociétés. Ce combat, car c'en est un, n'est autre qu'un combat pour les droits et la liberté. Égalité effective des droits entre les femmes et les hommes. Liberté de mener la vie que l'on souhaite, qu'importe les rôles sociaux que la société cherche à nous attribuer. Alors, chers conseillers, chères conseillères, devant l'ampleur du phénomène, que faisons-nous ? En tant que citoyens et citoyennes, nous avons une part de responsabilité et nous pouvons agir. Dans le choix des mots que nous utilisons pour définir les personnes et des actes, dans les idées et préjugés que nous véhiculons, consciemment ou inconsciemment, dans nos interactions sociales, à nous d'être attentifs. En tant qu'étudiants, responsables d'organisations de jeunesse, salariés, chefs d'entreprise, syndicalistes, artisans, agriculteurs, responsables associatifs, mutualistes, nous avons la possibilité d'observer dans nos organisations des préjugés, des comportements stéréotypés, des manques de respect et des violences. À nous aussi d'être vigilants. En tant que conseillers, conseillères du CESE, nous avons, en plus d'un devoir d'exemplarité, la possibilité de nous exprimer publiquement sur les sujets qui sont essentiels, de nous faire entendre et de porter les préconisations que nous votons aujourd'hui. À nous, enfin, d'être acteurs, chacun, à notre échelle. Si ce n'est pas nous, qui le fera ? Dans notre entourage, dans l'espace public, les transports en commun, nos organisations, soyons attentifs, soyons vigilants, soyons acteurs. Les violences faites aux femmes, dans les territoires et partout ailleurs doivent cesser. Ensemble, faisons reculer la tolérance sociale sur les violences faites aux femmes et agissons pour les droits et les libertés de chacun et de chacune. Merci. Merci. Pour le groupe Outre-mer, Madame Isabelle Bio-Altman. Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, Madame la Rapporteure, chers collègues, combattre les violences faites aux femmes dans les Outre-mer constitue une préoccupation mobilisatrice pour l'ensemble de nos territoires. C'est pourquoi les représentants de notre groupe se sont particulièrement investis en sollicitant le concours des acteurs locaux pour nourrir cet avis avec les membres des délégations à l'Outre-mer et aux droits des femmes et à l'égalité. S'il faut sans cesse marteler que les violences à l'encontre des femmes sont un phénomène universel qui dépasse les clivages sociaux et ignore les frontières, elles sont partout une des atteintes des plus graves et des plus permanentes aux droits humains. Cet avis met en évidence la violence prégnante dans certains de nos territoires, constituant alors un terreau propice aux violences envers les femmes, en particulier dans le cadre familial et conjugal. Ce phénomène n'épargne aucune catégorie sociale, même si les spécificités géographiques, l'isolement et le confinement propres à nos territoires, les situations économiques, les addictions, les stéréotypes sexistes propres à ces sociétés outre-mer constituent des facteurs aggravants. Cet avis et les préconisations formulées constitueront à nos yeux un outil pour l'ensemble des acteurs publics et privés de nos territoires. Parmi les axes prioritaires, il est particulièrement impératif, selon nous, d'améliorer les données statistiques pour mieux appréhender l'ampleur du phénomène, afin d'adapter efficacement les politiques publiques en tenant compte des diversités institutionnelles. D'assurer une meilleure coordination et une coopération effective entre les différents acteurs publics et associatifs intervenant en faveur du respect des droits des femmes. D'accroître le niveau de formation des personnels et professionnels ayant vocation à prendre en charge et à orienter les victimes. Enfin,
d'augmenter et d'adapter les moyens nécessaires à l'accompagnement et à la reconstruction des victimes, ainsi qu'à la responsabilisation des agresseurs. Le groupe Outre-mer remercie les rapporteurs et les deux délégations du travail accompli. Il tient à saluer le concours des acteurs d'Outre-mer et spécialement la contribution du CESE de la Nouvelle-Calédonie. Le groupe de l'Outre-mer votera l'avis. Je vous remercie. Merci. Madame Olga Trost-Stianski, pour le groupe Personnalité qualifiée. Monsieur le Président, Madame la Présidente, chers collègues, merci à Dominique Rivière et Ernestine Ronet pour ce remarquable travail. Merci aux deux délégations Droits des femmes et égalité et Outre-mer pour ce travail d'équipe suite à la saisine adressée par le Premier ministre au CESE. J'aurais tout d'abord rappelé que les violences faites aux femmes sont une des conséquences des stéréotypes ancrés dans toutes les sociétés, assignant les femmes et les hommes à des rôles de sexe naturellement définis. Lutter contre les violences ne peut se faire sans qu'un travail de déconstruction de ces stéréotypes soit entrepris à tous les niveaux de la société et en particulier à l'école. Vous l'avez compris, chers collègues, il faut donc rechercher la construction d'une culture de l'égalité avec des femmes et des hommes, pour des femmes et des hommes. Le second point à partager avec vous aujourd'hui, c'est le continuum des violences. Il s'articule autour de la pauvreté et de l'isolement territorial qui peut exister en métropole, mais auquel s'ajoutent des modes de vie dits traditionnels avec une très grande hétérogénéité des territoires quand il s'agit des territoires d'outre-mer. Nous devons donc confirmer l'universalité de l'égalité femmes-hommes. L'absence d'infrastructures juridiques, sanitaires, statistiques sont de véritables fléaux de l'invisibilité des femmes. Alors que les femmes assurent une grosse part du développement économique, elles ne sont pas dans les lieux de décision économique leur permettant de partager des décisions. Dans ce contexte, chers collègues, je voudrais insister sur le rôle précieux des différents acteurs et actrices dans la mobilisation contre les violences faites aux femmes. État et collectivités locales, acteurs, actrices locaux, locales, des Césaires, rôle pivot des délégations régionales et observatoires, et particulièrement des associations qui, à la fois, apportent leur soutien logistique, diffusent des informations pratiques, écoutent et aident les victimes, et je pense vraiment qu'on peut leur rendre hommage. Je voudrais vous rappeler que nous sommes tous et toutes concernés. Les entreprises, les organisations syndicales ont toute leur place et la vigilance de tous et de toutes est très importante. Et puis les médecins ont un rôle très important, il faut donc continuer de les former. Pour conclure, je voudrais insister sur les moyens financiers indispensables pour éradiquer de manière drastique ces violences. Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, s'est exprimé sur le sujet. La violation des droits humains la plus honteuse se caractérise sans doute par la violence à l'égard des femmes. Elle ne connaît ni clivage géographique, culturel ou social. Tant que des actes violents continueront à être perpétrés, nous ne pourrons prétendre à des progrès pour l'égalité, le développement et la paix. Chers collègues, je vous remercie de vous et de nous sentir tous concernés pour apporter tous et toutes ensemble des solutions. Chers collègues, les violences, on en sort. Merci. Merci. Monsieur Michel Tomich, du groupe Personnalité qualifiée. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, chers collègues. En s'arrêtant juste au titre de ce projet d'avis, on ne peut s'empêcher de penser à un élément supplémentaire de stigmatisation des territoires ultramarins. Économie exsangue, pauvreté, chômage, violence, triste mais logique enchaînement caractéristique de ces contrées éloignées et miséreuses où le soleil tanne la peau des femmes couvertes d'ecchymoses. Encadrant la vie dans un contexte national, cette projection a été minorée à défaut d'avoir pu être évitée. Non, il ne fait pas mieux bon vivre sous les coups de son compagnon en étant à proximité des plages de sable blanc qu'en Alsace ou en banlieue parisienne. Mais
La différence est qu'en métropole, les moyens de lutte contre les violences faites aux femmes sont plus importants et surtout mieux coordonnés. Antoine Dulin l'a rappelé tout à l'heure, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Encore que, et vous l'avez souligné, le non-dit, le non-déclaré, pèse d'un poids à la terrible signification. Très justement, il est évoqué une réalité contrastée. Entre Pointe-à-Pitre et Wallis, l'état des lieux n'est pas le même. À la différence des territoires polynésiens ou de la Nouvelle-Calédonie, la réalité socio-culturelle des Antilles s'est rapprochée au fil du temps de celle de l'Hexagone, avec pour heureux corollaire une amélioration de la condition féminine. Concernant la Nouvelle-Calédonie, je salue le travail de la mission qui s'y est déplacée afin de mieux appréhender son sujet. Déplacement qui s'inscrit d'ailleurs dans la droite ligne des associations désirées entre les Césaire et le CESE national, avec pour résultat un travail concerté de qualité. Les recommandations, quant à elles, traduisent nos limites à tous devant l'abominable. Que faire d'autre que répéter inlassablement que le respect dû aux femmes est un absolu inconditionnel ? Que de rappeler le rôle primordial de l'éducation ? Que de demander plus de moyens financiers et humains ? Il nous reste à souhaiter que les grands décideurs ou aspirants à la plus haute fonction de l'État finissent par nous les allouer ces moyens plutôt que d'envisager la baisse des coûts et celle du nombre de fonctionnaires. J'espère que ce projet d'avis contribuera, aussi modestement soit-il, à la diminution des coûts COUPS. Je voterai en sa faveur. Merci. Pour les professions libérales, Madame Dominique Riquier-Sauvage. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame, Monsieur les rapporteurs, chers collègues, une femme décède en France tous les 2 jours et demi environ sous les coups de son conjoint. Les violences faites aux femmes sont un fléau contre lequel il faut lutter. Elles sont intolérables et de plus, elles ont un coût social mais également économique dont l'ampleur est encore trop méconnue. Les coûts des violences dans le couple sont estimés à 3,6 milliards d'euros à minima en France. Il n'y a pas de profil type de femme victime de violences. Toute femme peut un jour dans sa vie se retrouver sous l'emprise d'un conjoint, d'un membre de sa famille, d'un ami, d'un collègue ou un voisin violent. Les violences faites aux femmes ne doivent pas rester dans la sphère privée. Elles accentuent l'inégalité entre les hommes et les femmes et doivent être inlassablement condamnées. Il est difficile de rester indifférent à la lecture de la vie tant l'état des lieux dressé est glaçant. De même, la typologie détaillée des violences illustre l'ampleur du phénomène qui touche plus durement les femmes ultramarines en raison de leur situation plus précaire et de la diversité des territoires ultramarins. Ce qui manque également dans cet avis est le peu de données concernant chacun des territoires ultramarins. Il est impossible de dresser un panorama complet des violences faites aux femmes, car le chiffre est inconnu. La mise en place d'observatoires au sein de chaque territoire est donc primordiale afin d'ajuster les politiques publiques. Les personnels de santé font partie des acteurs majeurs cités à plusieurs reprises au sein de la vie, car ils constituent un premier recours pour de nombreuses victimes de violences. En effet, les victimes de violences conjugales se tournent généralement vers leur médecin généraliste avant de déposer une plainte. Des professionnels se mobilisent dans cette veille quotidienne. Saluons l'initiative des chirurgiens dentistes du Tarn qui ont mis au point une formation dans le domaine de la prévention des violences faites aux femmes et aux enfants. Celle-ci devrait prochainement être rendue obligatoire pour les professionnels et les étudiants en dentaire. Espérons que cette initiative s'étende rapidement à l'ensemble des professionnels de santé de l'Hexagone et d'outre-mer, bien sûr. Les réformes récentes en matière de lutte contre les violences ont permis d'améliorer la prévention, la protection et la répression des violences. Le 5e plan de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux femmes poursuit dans cette direction et verra ses moyens doublés par rapport au plan précédent, passant de 66 millions à 125 millions.
Nous ne pouvons que nous en réjouir, car il permettra aux équipes professionnelles d'aider davantage de femmes victimes de violences, en les soutenant psychologiquement, en les aidant à retrouver un emploi et un logement. C'est en retrouvant leur autonomie qu'elles sortiront de la violence pour commencer une nouvelle vie. Face à l'ampleur du fléau dans les territoires ultramarins, il est également prioritaire d'y développer des dispositifs d'éducation, de sensibilisation et d'information. Les préconisations vont dans le bon sens, mais elles sont nombreuses à entraîner une augmentation des dépenses publiques qui, malheureusement, est difficilement évaluable. Le projet d'avis laisse à penser que ces dépenses supplémentaires devraient être compensées par la diminution des coûts engendrés directement ou indirectement par les violences faites aux femmes. Pour le groupe des professions libérales, quoi qu'il en soit, il faut agir. Le groupe votera l'avis. Merci. Monsieur Bernard Tranchant, du groupe de l'UNAF. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Présidents de délégation, Madame, Monsieur les rapporteurs, tout d'abord, merci pour la qualité de ce travail, la qualité de ce rapport. Une politique publique volontariste en matière de lutte contre les violences au sein du couple est celle qui s'attache à faire reculer le phénomène, mais pas seulement, elle cherche aussi à améliorer les conditions de prise en charge des victimes et de leurs enfants, mais également à prévenir la récidive de cette forme particulière de délinquance. Comme le rapport nous le rappelle, les Outre-mer rencontrent des difficultés plus grandes, cumulées à d'autres difficultés qui, elles, sont plutôt spécifiques face à ce fléau, fléau qui tue chaque année, surtout des femmes, qui déstabilise des enfants et qui enferme les femmes dans l'isolement du foyer familial à la merci de leur conjoint. Le groupe de l'UNAF partage globalement les constats et les recommandations, mais il aurait souhaité que le projet d'avis insiste encore davantage sur la nécessité d'une éducation à la bienveillance, à la non-violence, à la culture du droit à la différence, dès le plus jeune âge, pour aboutir à terme à des rapports équilibrés et respectueux au sein des couples. Mais beaucoup d'entre nous l'avons signalé, ce point important de l'éducation. La recommandation visant à ce que tous les territoires soient dotés d'un délégué régional ou départemental aux droits des femmes et de moyens adaptés nous semble devoir être mise en œuvre rapidement. L'efficacité de la lutte contre les violences faites aux femmes passe par la coordination des différents professionnels, qu'ils dépendent du domaine social, du domaine judiciaire, médical, économique. À titre d'exemple, dans le Tarn-et-Garonne, l'Observatoire départemental des violences faites aux femmes a conclu un partenariat avec l'UDAF pour disposer d'une coordinatrice dont la mission est, après évaluation de la situation de violence, de garantir à la victime la mise en cohérence de l'intervention des différents acteurs dans le cadre d'une prise en charge globale et dans la durée jusqu'à un retour à l'autonomie. Ce partenariat a été rendu possible grâce à la présence dans le département d'une déléguée aux droits des femmes et à l'égalité. Autre point d'importance, améliorer la connaissance, notamment statistique, des violences faites aux femmes dans les Outre-mer. À ce jour, les statistiques publiques ne permettent pas d'offrir des instruments de mesure pour le pilotage d'une stratégie nationale qui serait à décliner localement, et ceci est d'autant plus vrai dans les Outre-mer. Enfin, le groupe de l'UNAF partage les recommandations demandant à accroître les solutions de protection et d'hébergement. Devant la difficulté d'éviction du conjoint, l'hébergement et le logement des victimes restent la seule solution de protection, de secours. Cependant, il faut reconnaître, bien souvent, en matière d'hébergement, les victimes sont soumises à la concurrence, je suis désolé de le dire comme ça, des publics qui relèvent des dispositifs d'insertion et de lutte contre la pauvreté. Il nous faut donc rester vigilants. Le groupe de l'UNAFU l'aurait compris. Vous remercie encore, messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les rapporteurs, et votera cet avis. Merci. Madame Martine Vigneault pour le groupe de l'UNSA. Monsieur le Président, mesdames, messieurs, le rapport et l'avis élaborés conjointement par la délégation aux droits des femmes et à l'égalité
et la délégation à l'outre-mer apporte un regard réaliste, mais aussi donne un éclairage sur les violences faites aux femmes dans les outre-mer. Aussi, l'UNSA salue le travail fait par ses auteurs. Cependant, nous regrettons l'absence de référence en langagisme, partie de l'histoire des outre-mer, qui a aussi des conséquences sur un certain nombre de comportements sociétals dans de nombreux outre-mer. Si la description de la situation et des mesures mises en œuvre est juste, force est de constater que ces violences perdurent malgré le volontarisme des pouvoirs publics, quels qu'ils soient. Les associations sont elles aussi fortement mobilisées. Cependant, les contraintes budgétaires annuelles font qu'elles se trouvent souvent dans des situations difficiles. Il serait dès lors souhaitable qu'il soit envisagé un contrat pluriannuel comportant des objectifs, une budgétisation et des critères de suivi afin de permettre une bonne évaluation. De même, les bailleurs sociaux doivent être à la pointe en matière de relogement, en incluant dans leurs opérations des places réservées aux personnes ayant à subir les violences intrafamiliales. Enfin, comme elle l'a si souvent, trop souvent souligné, l'UNSA constate que même en ce domaine, les données statistiques sont inégalement existantes sur les territoires. Or, ce dossier faisait partie des domaines prioritaires du comité interministériel de l'Outre-mer qui s'est tenu après les événements de 2009 et défendu par le CESE lors du travail partenarial fait avec le CNIS. Enfin, l'UNSA estime que si les violences faites aux femmes méritent largement que le CESE se penche et travaille sur ce point, il n'en reste pas moins que plus généralement, les violences intrafamiliales sont tout aussi fortes dans les outre-mer, en particulier celles faites aux enfants. Au-delà de ces remarques, ce rapport et cet avis doivent permettre une plus grande prise de conscience de tous, outre-mer et hexagone compris, sur une situation qui fait trop souvent la une de la presse dans les territoires ultramarins. Nous souhaitons qu'une large publicité leur soit donnée et que le CESE puisse suivre ce dossier tout au long de cette mandature. Aussi, c'est sans surprise que l'UNSA votera l'avis. Merci. Monsieur Pascal Ferré, pour le groupe de l'agriculture. Monsieur le Président, Madame et Monsieur la Présidente et le Président des délégations, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs, chers collègues, vous avez établi un constat alarmant de la situation de trop nombreuses femmes qui, dans les Outre-mer, souffrent. L'une des premières qualités de cet avis est de mettre en avant ce problème majeur et inacceptable par sa violence. Je peux vous assurer que le groupe de l'agriculture aura à cœur de diffuser et à faire connaître ce travail par ses différents réseaux. Il était en effet important de rappeler, et comme vous l'avez fait, que les violences peuvent être de tous ordres, et pas seulement que physiques. Les violences psychologiques, d'ailleurs souvent niées par les victimes, les conduisent à perdre leur liberté d'agir et même de penser, ce qui les plonge à un désarroi profond dont elles se sentent responsables. Nous approuvons l'ensemble des préconisations qui figurent dans cet avis. Vous me permettrez de relever seulement certaines d'entre elles. Le temps me manque pour les commenter toutes. Les questions d'éducation, notamment, nous paraissent essentielles. Dès le départ, les garçons et les filles doivent apprendre à vivre dans l'égalité et le respect des uns et des autres. C'est par là et par l'école de la République que les premiers gestes se prennent. Cette éducation se pratique à l'école, bien entendu, comme je viens de le rappeler, mais également dans tous les autres lieux de socialisation que peuvent être de précieux relais, ainsi que dans le cercle très restreint de la famille. Il est nécessaire de rappeler que sur notre territoire républicain, de nombreux rites existent, ici ou là, rites coutumiers, et que, sans en tenir compte, ces rites sont souvent des contraintes majeures pour les femmes. La République est une et indivisible, et sur ce sujet, je souhaite et nous souhaitons à ce que cet accent soit mis.
Au niveau de l'agriculture, ce réseau, son réseau, lui-même s'y engage. Dans nos structures, dans nos centres de formation, les agricultrices se sont organisées pour défendre la place des femmes dans les exploitations, qu'elles soient salariées, chefs d'exploitation, conjointes, voire responsables. J'ai une pensée pour Christiane Lambert, aujourd'hui, qui vient d'être élue administrateur de la FNSEA et éventuellement présidente dans quelques jours. Ces réseaux agricoles jouent un rôle fondamental dans le maintien du lien social. La solidarité souvent exprimée par notre secteur donne aussi la possibilité d'empêcher l'isolement dans lequel se retrouvent souvent les victimes de ces violences. Différentes initiatives sont prises dans les départements, en Outre-mer comme en métropole, par et pour des agricultrices, pour sensibiliser le milieu agricole, rural, souvent milieu isolé, et pour faire connaître aux femmes, et particulièrement aux jeunes, leurs droits. Ces groupes constituent également des lieux d'écoute, d'échange tout à fait essentiels. C'est effectivement éviter cet isolement qui est en général difficile pour ces femmes de sortir de cette situation. Le groupe de l'agriculture se prononcera en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe de l'artisanat, Monsieur Christian Lelanne. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les rapporteurs, chers collègues, plusieurs enquêtes attestent de l'ampleur des violences subies par les femmes en Outre-mer. La situation est d'autant plus alarmante qu'une augmentation des violences a été constatée dans certains territoires au cours des 10 dernières années, alors même qu'une grande partie des victimes ne portent pas plainte. Il est donc primordial que la politique nationale, pour faire reculer ces violences et accompagner les victimes, parvienne à mieux irriguer les Outre-mer en s'appuyant sur l'ensemble des acteurs locaux. Dans ces territoires, bon nombre de femmes se trouvent dans une situation de fragilité qui les expose davantage au risque de subir des violences familiales ou conjugales. Faible niveau d'instruction, dépendance économique, grossesse précoce, mauvais accès à la contraception. À cela peuvent s'ajouter des situations d'isolement géographique ou encore le poids de traditions tendant à une vision dévalorisée de la femme dans la société. L'AVIE formule des propositions pour mieux repérer et aider les victimes, mais aussi pour prévenir ces violences. Des politiques volontaristes doivent être conduites pour la prévention, car c'est un levier fondamental. Il faut en premier lieu lutter contre les stéréotypes sexistes dans toutes les sphères de la société. Il est en effet crucial de faire évoluer le regard sur les femmes et leur place dans la société et dans la famille, et par conséquent sur les violences qu'elles peuvent subir. Cela implique aussi que les femmes elles-mêmes ne considèrent plus les violences à leur encontre comme une fatalité et transmettent cela à leurs propres enfants. Pour agir en ce sens, il est urgent d'éduquer à l'égalité femmes-hommes à l'école et dès le plus jeune âge, de promouvoir une meilleure information sur la sexualité et la contraception, de renforcer également les campagnes de sensibilisation à la lutte contre les violences. En second lieu, il est fondamental de se mobiliser pour favoriser l'autonomie des femmes par l'emploi, car comme le souligne l'AVIE, celles qui ont un niveau de formation élevé sont moins touchées par les violences conjugales. L'on sait également que l'indépendance économique facilite l'éloignement d'une relation violente. Il est donc essentiel de tout mettre en œuvre pour éviter que des jeunes filles ne quittent l'école de façon précoce et ne se retrouvent sans qualification. À défaut, il importe d'actionner tous les leviers leur permettant de se replacer dans une trajectoire d'insertion ou de réinsertion professionnelle, en s'appuyant sur les acteurs du service public de l'emploi et leurs partenaires économiques locaux. Plus généralement, il est fondamental d'encourager les jeunes filles et les femmes à se former pour leur donner les moyens d'accéder à l'emploi.
À ce titre, compte tenu du fort taux de chômage en Outre-mer, les femmes doivent être incitées à créer leur propre emploi. Dans ce cadre, elles peuvent compter sur le soutien des chambres consulaires et sur leur connaissance du marché local pour obtenir un appui au montage de projets, mais aussi pour être accompagnées dans la recherche de financements tels que le microcrédit. Le groupe de l'artisanat, bien entendu, votera cet avis. Merci. Madame Françoise Sauvageau, pour le groupe des associations. Monsieur le Président, mesdames les présidentes des délégations concernées, madame, monsieur les rapporteurs, chers collègues. Le présent projet d'avis, faisant suite aux travaux de madame Vion en novembre 2014, élargit de manière significative le panorama des violences faites aux femmes en s'attachant aux Outre-mer. Les travaux magistralement conduits par madame Ronet, en lien étroit avec les territoires concernés et plus particulièrement éclairés par les rencontres réalisées lors d'une courte mission en Nouvelle-Calédonie, ont permis aux membres de la délégation de s'approprier ces questions si douloureuses de l'existence et de l'importance de ces violences encore trop cachées en ce début du XXIe siècle. Parmi les très nombreuses recommandations détaillant point par point les différents leviers à activer, notre groupe a fait le choix de ne s'exprimer que sur quelques-unes d'entre elles. Constatant avec vous l'insuffisance des données disponibles, nous soutenons les recommandations visant à améliorer la connaissance tant statistique qu'universitaire de ces phénomènes de violence. Ces données chiffrées sont indispensables pour accélérer les prises de conscience, mais aussi pour mieux cibler les actions à engager et mesurer les évolutions que nous attendons. Des travaux universitaires ultramarins sont nécessaires pour mieux explorer la connaissance de l'impact de ces violences, en particulier sur les enfants. Cette dimension méconnue, peu analysée, mérite qu'on s'y attache. En second lieu, nous souhaitons marquer très fortement notre attachement au choix de déployer, en parallèle au développement des stratégies de réparation ô combien urgentes, la promotion de la prévention. C'est forcément par l'éducation à l'égalité entre les femmes et les hommes, dès le plus jeune âge, que pourront reculer les stéréotypes sexistes, la reconnaissance d'une place pour les femmes encore peu acceptée dans certaines traditions, mais aussi par une éducation à la sexualité pour protéger les jeunes filles contre les violences et grossesses précoces. Sur ce point, le soutien aux associations et plus spécifiquement au planning familial doit être renforcé et doté de moyens suffisants. Ces associations, en réseau avec tous les acteurs et actrices du territoire, assurent un socle de mission indispensable. Pour clore ce propos, nous soulignons l'intérêt de la recommandation 23, s'appuyant directement sur le rapport de décembre 2016 du CESE Nouvelle-Calédonie concernant l'application systématique du droit commun au civil dans le cas de violences faites aux femmes pour que celles-ci obtiennent rapidement protection et dédommagement. Cela n'excluant pas, en parallèle, les démarches coutumières plus longues entre les clans. En remerciant chaleureusement les deux délégations, leurs administrations, pour le travail conséquent fourni, notre groupe votera ce projet d'avis. Merci. Madame Adria Oubaïri, pardon, CFDT, pour le groupe de la CFDT. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers, chère Ernestine,
Selon les données de la Banque mondiale des Nations unies, le viol et la violence conjugale représentent un risque plus grand pour une femme âgée de 15 à 44 ans que le cancer, les accidents de la route, la guerre et le paludisme réunis. Ce bref rappel pour dire d'emblée que l'accent mis ici sur les territoires d'outre-mer se situe bien dans le contexte d'un fléau universel. Pour la CFDT, à l'issue de ce travail, un premier constat s'impose. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. La qualité de cet avis et du rapport qui lui sert de support en atteste. Par la co-construction avec les acteurs concernés, qu'ils soient publics ou associatifs, par visioconférence ou en se rendant sur place, nos deux délégations ont relevé un défi, tant l'exercice pouvait sembler périlleux, compte tenu de l'écueil de la stigmatisation que nous avons évité. Au final, les deux objectifs sont atteints, établir un état des lieux et trouver les leviers d'action pour mettre en place les dispositifs indispensables. Les 40 recommandations contenues de l'avis doivent en constituer le socle. Si les études montrent que la violence est une réalité, la volonté de changement de la société l'est tout autant. C'est aussi sur cette volonté que nous devons ensemble nous appuyer pour déconstruire les stéréotypes, faire évoluer les situations et susciter des initiatives régionalement. Les sociétés doivent en effet s'engager dans les processus d'évolution qui ne sont pas le problème du seul État. Mais le rapport montre aussi que l'État lui-même ne joue pas pleinement son rôle. Postes non pourvus, moyens inférieurs accordés à ceux en métropole, et j'en passe. Les événements actuels en Guyane montrent combien son désengagement est dangereux. Pour conclure, et sans démagogie aucune, nous souhaitons remercier la délégation Outre-mer qui, par sa mixité, a corrigé l'insuffisante mixité de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité. La CFDT votera l'avis. Merci. Madame Pascale Coton pour le groupe de la CFTC. Monsieur le Président, chers rapporteurs, mesdames les présidentes, mesdames, messieurs des deux délégations, chers conseillers, cet avis rappelle le caractère universel du phénomène des violences faites aux femmes, leurs formes et leurs conséquences. Il rappelle aussi la diversité historique, culturelle et institutionnelle des territoires ultramarins. Ces violences s'inscrivent dans un continuum de relations inégalitaires entre filles et garçons, nées d'un rapport social de domination. Mais il met surtout en lumière que le 5e plan interministériel de mobilisation et de lutte contre toute violence faite aux femmes n'a encore que trop peu d'impact positif sur ces territoires. Dans la vie, les freins explicatifs et aggravants sont bien identifiés. La précarité sociale, les statuts sociaux des femmes, l'insularité et l'éloignement, les stéréotypes sexistes et sexuels et les difficultés de prise en charge des victimes, en particulier liées à l'insuffisance de la formation professionnelle. L'avis décrypte la stratégie de l'agresseur, les graves conséquences sur la santé des femmes, sur leur emploi et aussi l'impact des violences sur les enfants. Si les données chiffrées sont connues et vérifiables en métropole, elles sont beaucoup plus aléatoires dans les territoires ultramarins. Et le groupe CFTC appuie fortement toutes les recommandations obligeant à fournir des données statistiques afin de mieux ajuster les politiques publiques en matière de soins, d'éducation et de prévention. 3,6 milliards d'euros annuels, c'est le coût exorbitant que supporte notre pays concernant les violences au sein du couple. Et ce coût ne comprend même pas la prévention. Le groupe CFTC est d'accord avec toutes les recommandations dans cet avis sur la prévention. Les stéréotypes sexistes induisent une vision inégalitaire des relations femmes-hommes. Ils prennent des traits particuliers dans les Outre-mer en lien avec les cultures, les traditions, les histoires locales. Dans cet avis, nous retrouvons plusieurs recommandations permettant un travail de déconstruction de ces stéréotypes sexistes.
Ce travail doit être entrepris à tous les niveaux de la société, et en particulier à l'école. Et la CFTC ne peut que souscrire à ces recommandations. Comme il est demandé dans cet avis, l'État, les collectivités locales, les associations, les délégations aux droits des femmes, les chargés de mission départementales doivent être renforcés. Les budgets alloués sont insuffisants. Il est quasi impossible d'insérer dans l'emploi une femme victime de violences ou de lui obtenir un logement social pérenne. Le groupe CFTC soutient toutes les recommandations permettant d'orienter les victimes et de les mettre à l'abri. Terminons par une partie de citation de Kofi Annan, comme l'a fait Olga tout à l'heure, qui est donc publiée dans cet avis. « Tant que des actes violents continueront à être perpétrés, nous ne pourrons prétendre à des progrès pour l'égalité, le développement et la paix. » Enfin, le groupe CFTC remercie la délégation aux droits des femmes, la délégation à l'outre-mer, les rapporteurs qui, à travers cet avis, ont su sortir de l'ombre toutes ces femmes victimes de violences. Vous l'avez compris, la CFTC votera cet avis. Merci. Nous n'avons pas d'amendement, nous n'avons pas non plus de demande de prise de parole. Donc, je déclare le scrutin de vote ouvert. Tout le monde a voté. Le scrutin ne semble plus bouger, donc je vais déclarer le scrutin clos et proclamer les résultats tels qu'ils vont s'afficher. Pour 158, une abstention contre 0. Ce vote magnifique. Bravo. Je salue bien évidemment les rapporteurs pour le travail accompli. Excellent travail. Voilà, beaucoup de. Et c'est cette qualité qui a permis ce vote, j'en suis persuadé. Je remercie bien sûr les deux délégations qui ont su travailler ensemble pour produire d'abord ce qui était une étude et ensuite ce qui a été transformé en saisine gouvernementale. Je vais donc passer la parole aux présidentes de la section de la délégation aux femmes et aux droits des femmes et à l'égalité. Et ainsi qu'à l'autre section Outre-mer, si elle souhaite prendre bien sûr la parole. Pascal, si tu le souhaites. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, alors je vais prendre la parole et pour moi, mais en un deuxième temps, et pour Jean-Étienne Antoinette, donc, qui est président de la délégation à l'Outre-mer. Et vous l'avez compris, donc, il y a quelques difficultés en Guyane, c'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui. Par contre, il m'a transmis un texte et m'a demandé de le lire, donc c'est ce que je vais déjà faire en premier. Monsieur le Président, chers collègues, par la voix de la présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité, je tenais à vous adresser un message, malgré mon absence pour des raisons indépendantes de ma volonté, puisque, comme vous le savez, la situation en Guyane ne me permet pas d'être avec vous aujourd'hui. En effet, une crise économique et sociale sévère, ajoutée au phénomène d'insécurité, ont plongé la Guyane dans un blocage sans précédent de son histoire. D'ailleurs, le présent avis met parfaitement en lumière la fragilité de nos économies. Néanmoins, je voulais remercier le président Bernasconi ainsi que les membres du bureau d'avoir permis à nos deux formations de travail d'évoluer dans cette configuration inédite pour répondre à cette saisine gouvernementale. Vous avez également autorisé le déroulement d'une mission en Nouvelle-Calédonie pour constater au plus près du terrain les réalités multiples du phénomène des violences faites aux femmes. Évidemment, il a fallu lever toutes les réticences quant à son utilité, mais ce déplacement a été riche d'enseignements. Le vote d'un avis est d'abord l'aboutissement de l'engagement des rapporteurs. En l'espèce, nous avions deux personnalités, Dominique Rivière, l'exigeant et fin connaisseur de nos territoires, et Ernestine René, l'experte en la matière et la combattante des droits des femmes. Mais finalement, les rapporteurs ne sont que les serviteurs des membres des sections et délégations qui, par leur perspicacité, leurs débats contradictoires et leur détermination, façonnent un avis.
C'est pourquoi je tiens sincèrement à saluer l'implication des membres de nos deux délégations qui, au fil de nos réunions, ont appréhendé les spécificités de nos Outre-mer et ont constaté les efforts à engager afin d'éradiquer toutes les formes de violence envers les femmes. Je voudrais également saluer les contributions précieuses des différents Césaires et Céseux de nos territoires qui ont produit avec nous. Cette collaboration va d'ailleurs dans l'esprit de notre mandature. Permettez-moi aussi de remercier les membres du groupe de l'Outre-mer qui ont animé dans leur territoire des réunions, mais après ce vote, il nous appartient, chacun, chacune, sur notre territoire, de faire que nos préconisations trouvent une traduction concrète. Enfin, je tiens à remercier l'administratrice et l'administrateur de nos deux délégations pour leur professionnalisme et leur patience. Ils sont vraiment à saluer. Je ne peux être complet si je n'ai pas un mot pour ma collègue, Pascale Vion, présidente. Alors là, désolée, hein, c'est moi. Je suis désolée. Courageuse, pardon, mais surtout, c'est assez emmerdant. Mais surtout déterminée, qui a déployé une telle énergie pour que nous arrivions à mettre en lumière ces réalités dans l'ensemble de nos territoires ultramarins. Je vous en remercie, à très bientôt. Merci à toi Jean-Étienne, je ne sais pas si tu nous vois. Merci. Donc en complément, je ne vais pas non plus être trop longue parce que je crois que Jean-Étienne a parlé de beaucoup de choses. Je partage bien évidemment ces remerciements envers nos collègues, envers les deux administrations de nos deux délégations et envers nos deux rapporteurs. Ça a été souligné, notamment nous avons pu profiter de l'expérience, de la connaissance d'Ernestine. Ça nous a vraiment été très très précieux. Juste un point quand même, revenir sur cette question de transversalité. Je crois que là, dans ce travail-là, nous avons vraiment montré ce qu'était la transversalité. D'abord entre deux mandatures, finalement, puisque c'est un travail que nous avons démarré. Donc, dans la mandature précédente, nous avions fait quelques recommandations pour la suite, et notamment donc, pour les violences faites dans les territoires d'outre-mer, qui ont été entendues par le gouvernement. Donc ça, c'est une très bonne chose. Transversalité aussi, puisque c'était une saisine de deux ministères, donc là aussi c'est quand même quelque chose qui nous faut relever. Cette transversalité aussi avec les Césaires, les CESE, notamment le CESE de Nouvelle-Calédonie et les CESC, notamment pour la Polynésie. Et puis la transversalité, donc ce travail de deux délégations qui est quand même pour l'instant en tout cas une première et j'espère qu'il y en aura d'autres. Elle a nécessité de notre part à toutes et tous une organisation quand même. Nous avions un certain nombre de contraintes, mais ça nous a permis vraiment un partenariat, un vrai travail partenarial entre nos deux délégations. Ça s'est fait véritablement dans la fluidité. On a pu partager les connaissances communes, donc d'un côté donc les Outre-mer, et là vraiment nos représentantes et représentants nous ont expliqué clairement ce qui se passait sur chacun de ces territoires, et ça a aussi été extrêmement précieux. La compréhension des enjeux, donc des enjeux et des Outre-mer et des enjeux des droits des femmes, et notamment donc des cas des violences faites aux femmes. Ça a vraiment été un grand plaisir de travailler toutes et tous ensemble. Je crois que nous avons fait un avis qui était un avis, certes, au regard de certaines missions, à beaucoup de recommandations, mais en même temps, nous ne pouvons pas faire moins, puisqu'il était nécessaire, et c'était l'objectif de cet avis, d'être véritablement une boîte à outils pour apporter un certain nombre d'éléments et d'indicateurs pratico-pratiques pour qu'ils puissent être mis rapidement en application. Donc, en tous les cas, moi, je suis très contente. Je remercie vraiment tout le monde, mes collègues, nos rapporteurs, nos administrations, dont nos administrateurs et nos deux secrétaires qui sont là-bas, là-haut. Solène aussi, qui doit être à la technique. Et j'espère que toutes et tous, et je suis vraiment très encouragée par vos différentes déclarations, pour voir l'implication que vous avez sur ce sujet, qui est un vrai fléau, et qui, sur votre envie, les uns, les unes et les autres, à le déployer dans vos propres organisations et sur vos propres territoires. Donc, merci à toutes et tous. Merci. Je souscris bien évidemment à tous les compliments et remerciements que vous venez de faire, Madame la Présidente, et bien sûr aussi le Président Philippe Edmond-Mariette, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous. Je voudrais juste vous donner deux petites informations, ou une petite information. C'est les deux prochaines plénières. La prochaine plénière a lieu donc le mardi 11 avril à 14h30. C'est la qualité de l'habitat, conditions environnementales, du bien-être et du vivre ensemble. Et le mercredi 12 avril à 14h30, c'est la politique européenne de transport maritime au regard des enjeux de développement durable et des engagements climat. Voilà, la séance est close.